encore une fois, c'est récupéré par Drummondville. Mercer maintenant, Mercer à Joseph encore une fois, qui aura passé tout le 2 minutes là, sur la patinoire. McLeod à l'embouchure, la rondelle est libre dans l'enclave, l'Armada, le but, les voltigeurs qui viennent marquer. Je croyais qu'on allait s'en tirer là. C'était une question de temps avant qu'on puisse capitaliser. Les premières occasions ont été ou soit bloquées par les joueurs de l'Armada ou les joueurs ont raté la cible. Mais il y a eu plusieurs chances de l'Armada. 1-0, les voltigeurs qui reprennent dans le fond de leur zone. Voilà, Duquette est arrivé trop vite devant lui. Katerinakis qui récupère. Tire! Et le but! Alexander Katerinakis, il a visé à l'aide dans la lucarne au-dessus de l'épaule du gardien. Katerinakis est un joueur d'efficacité. Il a chacune de ses présences, on peut voir son empreinte sur le jeu. Et là-dessus, là, il a été très vif en voyant Olivier Rodrigue là, avoir une. Peut-être une. Il faisait bien avec. Le Phoenix de Chabot. Quarantaine de secondes à la pénalité. On remet avec à Joseph derrière. Simoneau. Oh, le but! Quel tir! Qui a passé par-dessus l'épaule du gardien. Justement, Cragen, mais il y avait de la puissance dans le bras. Simoneau est un choix de première ronde et on voit pourquoi en 2017. Il est allé d'un tir très précis. Et ça, il fallait arrêter. Il est fait en première période. Du moins, se tenir loin du banc de pénalité. Les voltigeurs. Et on y va tout de suite d'une belle passe à Veleno qui tente une percée. Réussit à le faire. Le tir. Et le but! Quelle poussette, Joe Veleno. Et en partant, on vient battre l'Armada, c'est 3-1. On avait fait le même genre de départ en première période sur la première mise au jeu initiale. C'est-à-dire qu'on étire le joueur de centre et on le libère entre les deux défenses. Dans le coin, Desruisseaux. Les deux voltigeurs, ça permet de sortir la rondelle. Passe d'une seule main vers Pierre-Olivier Joseph. Le tir, ça dévie dans l'enclave. Desruisseaux en se retournant. Bloqué le but! Oh, je pense à rentrer entre les jambières. L'angle, on est difficile à voir, mais Cragen était pourtant positionné, agenouillé. Mario, c'est un cadeau de la part de Cragen. Il ne faut pas se le cacher. Et du côté des voltigeurs, je pense qu'on a compris qu'il faut mettre... Contre Simoneau. Katerinakis s'est avancé. Simoneau, finalement, on remet devant. Belle passe, le tir, le but! Coltagan a tiré dans son déplacement. On semble avoir dit que le filet peut-être a bougé. Déplacé. On va consulter selon le geste que l'officiel a fait. Une chose est certaine, c'est que la rondelle est rentrée dans le filet. Mais ce que j'allais dire, c'est que dans son déplacement, Cragen, c'est lui qui aurait peut-être... Le filet a bougé, mais est-ce qu'il a été sorti? On va voir. Les voltigeurs, Scobo le coupait sur sa gauche. Bolduc s'emmène avec une passe. Vers Tourigny, rondelle perdue. La poussée de Simoneau maintenant s'avance. Tire et le but! Xavier Simoneau entre les jambières. Et là, Cragen en a laissé passer deux de la sorte là, dans la soirée. Exactement. Et qui poussait, le défenseur avait très, très bien joué la situation. Avait fermé le centre, donné l'extérieur pour que Cragen puisse justement fermer son arc. Guy Fandulaire en voulant frapper une rondelle qui était dans les airs. Simoneau dans le coin. Voilà Guy, le capitaine. Belle remise devant, le tir à but. Et c'est 7-1 dans un 5-3. Pelletier s'est avancé. Coup d'épaule de Desgroseilliers à son endroit. Pendant ce temps-là, Mercer contourne le but. Engelhardt, cette fois-ci, vient ajouter. Et on est rendu à 8-1. Dans le territoire de l'Armada, Abraham. Passe coupée par Gay. Tire! Et le but. Mauvais jeu d'Abraham le long de la rampe. Là, vient de donner un but gratuit au voltigeur. Et c'est un 9e but. Lorsqu'on regarde les passes... Baudin en profite pour y aller d'une passe vers Gay qui déborde la défensive. Coupe! Le but! Et voilà le 10e but des voltigeurs. Nicolas Gayle, capitaine, qui vient l'inscrire. Mario, je n'ai tellement pas aimé l'attitude d'Edmund sur le jeu. Il a complètement démissionné. C'est un 2 contre 2, même si c'est un attaquant qui joue comme défenseur dans cette situation. Il n'aurait jamais dû avoir. Romanville passe vers Giroir. Giroir qui arrive en zone adverse. Le but! Et c'est le 26 qui marque. Rémi Engelhardt cette fois-ci. Est-ce qu'il y a un public qui a été aussi gâté que les partisans locaux de l'Armada en termes de victoire défaite au fil des 3-4 dernières années? Et voilà le deuxième but. Deuxième. Oui, exactement.
Non, c'est ce que je disais, c'est que on est de la pédale au plancher du côté des voltigeurs, on marque un 12e but.